Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierrux et aujourd'hui on se retrouve donc pour, évidemment, l'épisode, alors j'allais dire journalier, mais ou quotidien si vous voulez, mais finalement c'est vrai que j'ai loupé hier, j'ai fait un péché, j'ai omis un péché, j'ai pas mis l'épisode de Pokémon, alors il y en a plein qui ont paniqué évidemment, j'ai eu un contretemps tout simplement dans la vie réelle, et du coup bah je me suis dit bon c'est pas grave, j'avais une vidéo de prévue avec Bleach, du coup je vous en fais une deuxième, enfin au lieu d'en faire une deuxième, bah je me suis dit je fais Bleach et puis tant pis pour Pokémon, je ferai le lendemain. Je pense que c'est pas grave si je saute un seul jour. Voilà, donc en même temps ça m'a pris un peu de pause. Donc c'est plutôt cool. Et du coup je tente ça, on est en début de soirée. Et du coup on aura des Pokémon du jour. Parce que d'habitude on a des Pokémon de la nuit vu qu'on tourne l'après-midi. Et du coup voilà. J'espère que vous allez bien. En tout cas de mon côté ça va super bien. Et du coup c'est parti. Alors on aurait pu tomber, mais là du coup c'est le jour. Donc on n'aurait jamais pu tomber à ce moment là. Au moment où j'ai tourné l'épisode du moins sur Noctuinoir. Ce qui ne me dérange pas des masses, de toute façon. Noctuinoir, il est pas... Je le trouve pas si ouf que ça, tu vois. Par contre, les combats, on va les faire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire au programme? On va s'avoisiner, j'allais dire. On va se rapprocher de la Team Skull. Et du coup, on aura entre-temps des zones. Donc je pense que ouais, les deux prochains épisodes, ça va se consacrer à ça. Donc là, je pense dans cet épisode, on va commencer peut-être la Team Skull. À voir. À voir comment ici c'est lent, on va aller choper ACT dans l'hôtel. Si ça se trouve on fait toute la Team Skull en un épisode là, c'est possible. C'est fort possible, donc là l'âme pongène, on n'en parle plus. C'est x4 évidemment, Faramp qui apprend ça dans le plus grand des calmes. Et ça fait plaisir parce que justement on peut se faire les Pokémon électriques. Vous l'avez remarqué, j'aime faire beaucoup de choses différentes. Et que ce soit sur ma chaîne mais aussi dans la vie c'est la même chose. Que ce soit dans les voyages, j'aime pas aller toujours au même endroit, enfin bref. Et dans ce qui est en termes de formation ou ce que j'aime, Libégon par contre ça c'est sévère. C'est la même chose, j'aime bien faire plein de choses différentes et c'est pour ça que j'en ai fait depuis que j'ai commencé les écoles, les études. J'ai changé d'option, etc. J'ai fait plein de trucs pour pouvoir justement être un peu un touche partout si tu vois ce que je veux dire. Alors par contre ce truc peut faire mal. On va... On va mettre Flagaren dans le doute, enfin dans le doute, au cas où il a rien. On va se guérir un peu aussi. On va se guérir. Moi d'abord. Bon, très bien. Si tu veux faire toi d'abord, il n'y a pas de soucis. Lyophilisation, ça devrait aller. Hop, la vive qui fait plaisir. Et on va normalement one shot. Il y a moyen qu'on one shot. Hein. On one shot pas. Mais on gèle. Est-ce qu'il se dégèle? Non. Là par contre, on l'a bien eu. Là on peut le dire. On l'a eu de manière abusive. Donc Flagaren est toujours dans la team parce que bah, je suis pas retourné au PC. Donc pour l'instant je vais galer Flagaren par rapport à Cresselia. J'ai pas vu vos retours. Enfin j'ai pas vu. Ouais j'ai pas vu vos retours sur Cresselia. Je sais même plus si j'ai fait gaffe en fait. Putain deux fois c'est pas comme le dragon. Mais du coup je m'en fais plus si Cresselia vous avez dit ouais prends le ou pas. Du coup à voir, faut que je relise. Mais je vais voir par rapport aux stats, hein. Moi, franchement c'est soit Krell, soit Cresselia, je pense pas les deux dans la team, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué à les avoir tous les deux. Parce qu'ils tapent pas très fort, donc c'est un petit peu plus relou comme combat. Du coup voilà. Donc si je reviens sur le sujet qui est intéressant à mon goût, hein, c'est que si vous avez la possibilité, vu que vous êtes jeune, pour la plupart, n'hésitez pas à prendre le temps de choisir ce que vous aimez faire. Et n'hésitez pas à changer si vous aimez pas trop ou que vous avez envie de changer parce que je sais pas, ça vous plaît... de faire un truc précis, genre vous êtes bouché mais vous voulez faire du graphisme, bah faites, tentez, franchement. Des fois il faut un peu, faut pas suivre trop la société en mode il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, comme ça t'auras forcément un taf, faut faire ce que t'aimes avant tout. Est-ce que je fais la zone directement ou le... Bon je fais le combat après on fait la zone. Ah y'a mal qu'on fasse en fait tout le Team Skull, hein. Parce que vu que... Ça dépend des coupures en fait. Ça dépend des coupures. A voir, à voir. Allez, le petit sbire. Crabominable, alors ok. Là, ça peut fracasser. Et on a Darkling. Bon, j'ai la flotte qui est avec moi pour les munitions. Les combats glace. Moi perso, je ferai ébullition. J'ai une chance de burn. La flotte, je pensais. Putain, c'est du spé. C'est du spé. Mais ça va faire mal. Heureusement que c'est du spé, hein, les gars.
chinoise. Ils sont vénères, ils sont vénères. Et comment je vais? J'ai sur Zelda, ouais. Zelda devrait tenir le spectral dans tous les cas. Au vu que de comment il a tenu Crefade. Ah, il reste sur ça, ok. Ouais, c'est efficace donc. À mon avis, il fait. Pas trop, voilà, c'est ce que je pensais. On va juste se soigner parce que. Ça tabasse quand même sacrément violemment. Crabe abominable, mine de rien. Si tu lui mets des bonnes attaques, parce que c'est vrai que glace combat comme type c'est pas ouf, donc il a que ça. Si tu lui mets des bonnes attaques physiques, parce que bon là il fait que ça, il spam ça parce que c'est efficace. Mais... Si ça se trouve, il a une meilleure attaque hein, physique qui ferait plus de dégâts que ça. Même si ça fait quand même pas mal de dégâts. En face, tout corne. Je pense pas le tuer, hein. Genre de là. Il a une bonne. Bonne défense en général. Mais il fait quand même assez mal, je l'avoue. Ouais. Je l'avoue, je l'avoue. Je te dis que oui. Maintenant, il met Greninja et je fais ton caca. Un peu comme Dark, tu vois. C'est ça qui est pas comme Dark, faut faire attention. Bientôt, je vais avoir affronté Dan en plus. Faudrait que je me. Alors, Fennec. Fennec, c'est mignon. Mais j'ai rien contre Fennec. Ouais, j'ai Flagaren quoi. En plus, il fait attaque feu. Parce qu'il est un peu bête, parce qu'il se dit pas que quand il pleut, l'attaque feu et tout ça. Il pourrait faire. Ah, il change ma vitesse avec lui? Bah, du coup, je peux rapide que lui. Là, j'en suis quasiment certain. Et en plus, je tue. Oh non, je tue pas. Oh, non, Furibon, ça attaque. C'est bon, c'est un Fennec. C'est un Fennec, les gars, on se détend. On se détend, c'est un Fennec. Je stresse parce que. Il commence à avoir de sacrées bonnes attaques. Et c'est fou, hein. Chaque Pokémon arrive à avoir une petite faiblesse à un de mes Pokémon en lead. C'est compliqué. Hein. Ça devient compliqué. C'est pour ça que les Pokémon qui ont un peu plus de défense sont vraiment préconisés parce qu'à tout moment on peut se faire défoncer. Après j'ai quand même plus peur des. Bon je me soigne et je reviens. Bon. Allez, let's go. Petit Pokémon est tué. Un Prismillon Jungle qu'on a déjà. Qu'on a déjà eu. En tout cas. Donc on va dire non à ce Pokémon. Et on continue. Oh! Ha! Les gars! Note première. Oh putain, les gars. Oh, je suis content. Alors en fait, c'est un peu spécial parce que la méga. Je voulais une méga. C'est vrai que je voulais une méga. Je sais pas si j'en avais parlé. Mais j'en ai loupé deux ou trois. Onilali, Flagados et L'Exprint. Trois méga. J'ai loupé trois méga récemment. Enfin, récemment. Surtout récemment avec Méga L'Exprint. Et j'étais tellement deg. Mais là du coup on va pas faire l'évolution évidemment, on va tenter de le capturer en espérant qu'il ne me tue pas. Et la escarmouche. Ah mais non. Un méga caméric t'as escarmouche. T'es sérieux toi? Attends. Est-ce qu'il va refaire escarmouche parce qu'il est bidon? Bon on va mettre Yolou. On va faire poudreuse comme ça. Oh les gars, méga caméric avec escarmouche, ça c'est super cool. Faut savoir que les méga ils sont boostés de fou, donc l'avoir directement méga, c'est pas dégueulasse. Ah, il a imitation. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Il avait solid rock. Ok, donc on a la sérénité, ça me va pas trop. Hein. On va essayer de le geler si on arrive. Allez, vas-y, on gèle. Non? Allez, on gèle. Allez, vas-y, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh yes, un méga caméric, en plus je trouve stylé. Oh, il a paresse. Putain, il peut même se soigner. Alors, il m'a montré presque toutes ses attaques. Faudrait que je le gèle juste. Allez, c'est bon, ça gèle. Très bien. Donc, on va capturer ça de manière sensationnelle. On va le capturer à la Pokéball parce qu'il est rouge. Et on capturera peut-être notre premier méga de cette team. Et là, suivant comment, ce truc il tabasse comme un sourd. Il a, je crois, 145 d'attaque spé. Il a 100 d'attaque physique, je crois. C'est une méga, quoi. C'est une méga. Une méga, mine de rien. Même si c'est pas une des meilleures méga qui soit. Il a escarmouche. Clairement, c'est loin d'être dégueulasse. Alors, vu que c'est un gros poké qui tape pas mal normalement en type feu, hein, mais parce qu'il n'a pas d'attaque feu, on va l'appeler Shanna.
de Shagokanoshana. Et c'est une des seules type feu, perso type feu que je connaisse féminin. Parce qu'en garçon, on avait Ace, on avait Yamamoto, on avait celui dont FMA. Il y en avait plein en type feu mâle, enfin masculin. Bon, féminin, j'ai que Shana qui me vient à l'esprit, donc on va l'appeler Shana. Et ça fait un peu. Exotique. Du coup, voilà. Et en plus, il a une bonne nature pour l'offensive physique. Ce qui est super cool. Maintenant, il a que imitation, escarmouche et télékinésie. Du coup, on va faut voir ce qu'il apprend en fait. Il a celui de rock. Donc, celui de rock, ça fait que les attaques haut sont moins fortes contre lui. Enfin, les attaques efficaces, du coup, le type haut et sol. Ouais, c'est tout, je crois. Ouais. Alors là, je prends volontiers, mais on va pas l'inclure dans l'équipe. Quoique, attends, on va l'inclure dans l'équipe. Pourquoi? Parce que j'ai envie de changer, j'ai envie de mettre à la place de Flagaren. Ouais, à la place de Flagaren, parce qu'on a beaucoup de type psy. Ouais. Et on va juste, je fais une coupure, je vais lui apprendre des attaques, lui monter un peu de niveau pour voir, voilà. Alors, on se retrouve donc directement avec, comme premier duel, même si c'est dangereux parce qu'elle a flotte en fait. C'est un peu dangereux, non? Mais dans tous les cas, il faut le tester. Il faut le tester, et de toute façon les Pokémon, ça devra aller même si ils ont des attaques haut. Voilà, Electek. Très bien. Alors j'ai pas d'attaque sol ni feu, malheureusement, on va dire par défaut. Mais il a une grosse attaque SP, hein. Il a plus de 149 en SP les gars, il va tabasser comme jamais. On a Escarmouche du coup, donc ça c'est plutôt sympathique. Hop là. Et on lui fait quand même pas mal de dégâts alors que c'est du... C'est du physique. Hein. C'est du physique. Et on a appris du coup, comme vous avez pu le voir, Marteau de Glace et je lui ai appris Psycho. Voilà, grosso modo c'est ce qu'il a appris. Du coup on va le tabasser, on va le finir avec Marteau de Glace. Il fait vol. Ok. On va du coup. Bah, Marteau de Glace, je pense quand même plus fort parce qu'il s'est boosté. Comment il va nous faire? On va en physique. Ah, quand même. De toute façon, il est tellement long. Il a 25 de vitesse, c'est tellement peu. Et du coup, on tue. Franchement, avoir une méga, les gars, dans la team, c'est pas dégueulasse. Hein. Moi, je vous le dis. C'est loin d'être dégueulasse. Maintenant, c'est sûr que bon, là, je suis sous la flotte, c'est un petit peu dangereux quand même. On va quand même du coup éviter, mais c'était juste pour vous montrer. Et en même temps, juste pour vous montrer aussi ses stats. Vous voyez, ses stats, c'est assez insane. Il a une bonne nature pour augmenter son attaque, comme ça, il peu importe ce qu'il apprend. Regardez, il a plus que Crefade. Hein. Il a autant Crefade dans l'attaque, carrément. Et c'est le Pokémon qui tabasse quasiment le plus fort dans la team, on peut le dire. On peut clairement le dire à l'heure actuelle. Alors, le souci ici, c'est qu'il pleut aussi. Hein, donc. On va éviter de mettre. On va mettre James pour une fois là, ça fait longtemps. Il est au 47 en plus. Ça fait longtemps. Alors, on va passer par là. On va choper ce qu'on voit quand même, histoire d'éviter de les reprendre. Même si je sais que je vais repasser par l'endroit. Alors, est-ce qu'on va les combattre ou est-ce qu'ils vont dire. Oui, on va les combattre quand même. Okay. Mais c'est du 1 contre 1 là. C'est vrai que j'ai oublié qu'il y a quand même beaucoup de combats. Je sais pas comment je vais faire ça. Faut voir combien de temps ça me prend pour arriver jusqu'au manoir et ensuite on va voir si je fais le manoir. Alors petit Ravis, ça va. C'est pas Pokémon qui me fait très très peur, hein. Allez James, montre-nous comme tu es sexy et sensuel et puissant et... James, c'est notre... vraiment notre... C'est une tuerie ce Poké. Alors, Crado Vague. Vu que c'est stab. Ça devrait lui faire bobo. Oh, il tient bien. Choc météore quand même. Le petit Ravi déconne 0 quand même. Hein. C'est bon, ça devrait aller. Voilà, il fait 0 dégâts parce qu'il a rien. On attaque. Évidemment, c'est un bébé Pokémon. Les bébés Pokémon sont pas trop ouf. Hein. Tous. Hein. Il n'y en a aucun qui. Peut-être Magby est passable. En bébé. Hein. Toujours en mode bébé. Hein. Mais les autres. Peut-être Elekido aussi est passable. Et ces deux-là sont passables, je pense. Mais entre petit Ravi, Togepi, tous ces trucs. C'est pas la folie. Toudoudou aussi, c'est pas la folie. Et aussi, il y a aussi qui le petit arbre là. Le petit Simiabras. Manza, il est pas au fond. Azuril, on en parle pas. Alors, montre-nous un Pokémon de fou. Barloche. Alors, attention à Barloche quand même. Bon, même s'il peut avoir une attaque soit, je pense pas qu'il peut me tuer quand même.
Ça serait un peu abusé. Ah, alerte au neige. En vrai, ça ne me dérange pas parce que comme ça, je peux faire mon attaque feu. Attends. Ah oui, il est haut, je suis con. Bah après, je peux burn. Donc je préfère faire ça. On peut burn, donc il y a moyen que ça soit intéressant. Non, pas burn. Putain, heureusement qu'il a mis le terrain parce que Bulldo sous. Attends, on va voir ce qu'il aurait fait. Ouais, il aurait fait à peu près le double. Ça va quoi. C'est vrai qu'il se tue un peu lui-même aussi. Les kleptomanes, et on n'en parle plus. De ce petit varloche. On va les soigner même si on doit payer le centre de soins, mais j'ai pas non plus max. Cette option de type feu qui peut être vraiment intéressante. Si, il a une attaque feu évidemment. Il pouvait pas prendre nitrocharge, mais je l'ai pas appris parce que bon. C'est du physique de 1, c'est pas très fort de 2 et ça augmente la vitesse qui n'est pas utile pour mon caméra qui a 25 de vitesse. Donc même si je fais 5 fois nitro charge, je suis pas plus rapide qu'un Pokémon qui a 100 de vitesse de Bastad. Donc au final, je ne pensais pas que ça serait intelligent. Flamme bleue, je pense que ça peut tuer même s'il y a la flotte. Oh, Morphing. Ok. Là, par contre, je m'attendais pas à ça. Du coup, on va faire charge de foudre. Ah voilà, elle est plus rapide que moi. Aïe aïe aïe. Bah oui, bah, il a mes attaques, ce fou. Mais il a moins de PV, donc. Ouais, mais c'est du physique, donc il résiste. Ah, mais il est paralysé. Ok, donc je peux faire Kleptoman sans trop de soucis. Et le tuer normal. Non, j'ai un petit peu eu peur parce que je suis si résiste par je ne sais quel miracle. J'étais dans caca, hein, franchement. Trompignon. Bon, il doit être pas très fort de toute façon. Flamme bleue, ça va suffire. Oh, ah, j'ai cru que c'était un truc de type psy. Mais il est plus rapide que moi, c'est quoi ce délire là? Alors, dans le doute, je vais quand même me soigner. C'est vraiment dans le doute, hein. Parce que j'ai vu déluge plasmique, je crois qu'il y a une attaque psy qui ressemble à ça. À déluge plasmique. Et du coup, ah, il a fait choc volant. Il m'aurait fait combien? Il m'aurait fait... non, il m'aurait pas tué. Mais bon, on va dire, on fait attention. On prend nos précautions. Parce que perdre James, ça serait vraiment un petit peu la merde. Parce que j'en ai besoin, j'en ai encore besoin, je pense. Le maximum de temps. Parce qu'il commence, tu vois, à pas s'essouffler en termes d'attaque. Hein. Après, en termes de ça, je trouve que ça va encore pour l'instant. Mais c'est vrai que petit à petit, je pense que d'ici quelques. Je pense d'ici la fin du jeu, il va être un peu plus en retrait que les autres. Après, ça dépendra, mais. On a combien? Ok, après, avec la coupure, je sais pas comment ça ferait. Ouais, je pense qu'il y a moyen qu'on passe. C'est pas si grand là. C'est juste qu'il y a beaucoup de combats. Mais si je vous mets que le combat intéressant, parce que là pour l'instant il n'y en a pas non plus des masses. Alors je joue au crack. Ça fait un peu plus peur quand même. Toi ce truc il a une attaque physique, il peut me défoncer. Alors dans le doute, on va quand même mettre. Il a rien. Hein. Et il a rien non plus. J'ai pas d'attaque psy quoi sur mes Pokémon psy, c'est n'importe quoi. Lui, la psycho. Allez, on tente. Juste peur qu'il me sorte une attaque efficace pour le poison qui serait le type sol et qui serait du coup efficace contre tu joues aussi. Rapace, pas du tout. Attaque type vol. T'as un jus de cri qui fait un rapace, les gars. C'est tellement épique. Ah, il fait mal, hein, vous voyez. Allez, psycho, normalement, ça devrait lui faire mal. Pied voltige. C'est stable. C'est stable, ça race. Mais tout est plus rapide que Pharaon, ce truc. Mon dieu, il est résistant. Ok, Zelda à ton tour. Il va peut-être refaire Zelda. Je pense que si il loupe Pied Voltage, ce serait cool. Ah, dommage. Après, c'est pas très efficace. Mais ça fait quand même bobo, les gars. Ça fait bobo. Méga fouet, je pense qu'on va partir sur le plus fort qu'on peut avoir. Il est tanky de ouf. Putain, c'est pas possible. Rapace. Encore une fois. Je pense qu'on va soigner juste après ce combat.
Bon, on va faire tous les combats à l'extérieur là et après on va. Normalement, je peux pas louper méga fois, je crois. Grâce à son talent là, victorieux. Qui est quand même super cool. Hein. Ok, ça c'est bon pour lui, mais il m'a mis quand même cher. Il m'a mis un mid life, faut pas déconner avec ses Pokémon. Alors. Feuillage. Bon, ça va. Ça aurait pu être pire. Sable volant? Ok. On fait Stockhorn une fois. Histoire de faire ça avant de faire Hurlotan. Vampigraine. Alors je sais pas si c'est une bonne chose de faire Hurlotan parce que si je tue pas. Il peut me tuer. Hein. Non, il peut me tuer. C'est dangereux. Il a bien en plus. Allez, remets lui, on fait plein bleu, on est bon. Je vous jure, je commence à pas vouloir les perdre les Poké, donc je fais de plus en plus attention. Au début, c'est vrai que j'étais en mode. C'est pas grave et tout ça. Arrogant, c'est une attaque qui fait que. C'est comme. L'attaque psy là. Store Power. Attends, en français, je sais pas les noms, c'est ouf. Et en gros, chaque fois, par nombre de boosts que vous avez, ça augmente la puissance de l'attaque. Donc ça, ça peut être assez stylé. Je crois que ça se joue en VGC sur Crocorrible, je crois. Si je dis pas de bêtises. Du coup là c'était une attaque qui était de 20 de puissance je crois de base. Après à chaque boost c'est 20 de plus je crois. Donc imaginez vous faites une attaque qui booste. Bah le truc c'était je crois fallait prendre Evoli. Vous faisiez vos boosts, ensuite vous faisiez Pattern Pass sur Crocorrible. Crocorrible avait du coup toutes les stats à plus 1. Et donc ça augmentait la à plus 2. Je sais même plus maintenant. À plus 2 peut-être. C'est possible. Et du coup, tu augmentais de 120 la puissance de l'attaque, plus le stab, donc tu vois le délire. Voilà, on se retrouve après s'être soigné et puis acheter un peu d'hyper potion parce que bon, je pense qu'on en a besoin. Et c'est parti. Maintenant, ici, il pleut pas, donc je peux me permettre de mettre dans le manoir chelou. On va mettre Shanna, quoi. On va utiliser Shanna. C'est pas quelqu'un qu'on a moins vu pour l'instant, mais bon, c'est normal, il y avait la flotte, c'est trop risqué. Et il y a beaucoup d'attaques roues quand même qui traînent, donc j'ai. C'est normal que j'ai un peu peur, tu vois, qu'ils nous sortent un petit truc, mais bon. Celui de Rock permet qu'en gros, à la place d'avoir un x4 sur le type O, on ait juste un x3 sur le type O. Donc ce qui est quand même un gain considérable. Et du coup, ça me fait plaisir. Donc excellent, très bien. On va voir un peu ce qu'on peut faire avec ce Shanna. Je l'ai pas mis d'attaque Z en plus. Bon, en même temps, il a une attaque Psy. Il a paresse. Bon, j'ai Escarmouche. En vrai, Escarmouche par défaut, c'est vraiment super cool. Hein. Ça fait limite un. Ah, il y a le manqué. Limite un mid-life comme ça, au calme, on est en priorité. Ça peut sauver des games, ça, un escarmouche comme ça, de cette puissance. Clairement. Bah écoute, on va faire psycho. Hein. Je pense pas que je tue. Hein. Il va sacré mon tank ce machin. Ah, deux coups critiques, il a pas eu de chance. Allez, il va me remettre ma méga. Non. Bah écoute, pourquoi pas, hein, ce qui veut faire participer tout le monde. Le niveau est par contre de 49. T'as pas un peu peur. Parce que du coup, si eux sont niveau 49, je pense que le niveau de notre cher et tendre Guzma risque d'être dans les 50. On va aller quand même parler à la personne pour qu'on ait le. Qu'on considère qu'on ait le truc. Alors, Arcapti. Alors normalement ça devrait aller. Hein. Du coup, évidemment, le comment il s'appelle l'attaque. L'escarmouche ne sert à rien. Par contre, marteau de glace va faire bobo. Flatterie. Ah, enfoiré. Le petit enfoiré. Allez, Shanna, je sais que c'est pas longtemps qu'on se connaît, mais c'est pour faire tes preuves. Alors, tu peux le faire. C'est bien. Là, on tue. Hein. On tue, mon gars. On déglingue. On déglingue. T'imagines s'il apprenait Gyrobal avec le marteau glace, le combo. Ce serait une dinguerie. Scarabrut. Bah, en vrai, c'est un type insecte. Hein. C'est relou, ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever en fait la confusion. Je pense que c'est une bonne chose. Pour éviter tout supplice. Et derrière, on va voir ce qu'il fait. Aïe. Oh. Oh non. Oh non. Non, on peut pas switch. Switch. Comment qu'on fait là? Il a une attaque haut. Est-ce qu'il
qui va refaire attaque haut. Ah, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je sorte de ce truc. Yes! Yes, je suis libéré! Wouhou! On se casse! On se casse! Claquoir, il va faire claquoir. Ok. Bon, ok, les gars. On sait que ce genre d'attaque peuvent exister. Ah, et forcément, il évite deux fois. Non, mais sérieux. Bon, les points de feu, normalement, ça devrait aller. Deux points de feu, ça le fait, je pense. Ah, vite fait, hein. Ça évite tout, Macarena. Allez, hop là. C'est bon. Putain, la frayeur. Et mais imagine, t'as vu tout ce qu'il m'a fait comme dégâts. Bon, en vrai, il m'a fait midlife. C'est une attaque qui est de 35 de puissance, à peu près 35-40 de puissance. Ça veut dire qu'en gros, une attaque physique d'un Pokémon physique de à peu près 70 de puissance peut me one-shot. C'est ça que ça veut dire. Un moment. Mais du coup, voilà. Bon, donne-moi un Pokémon si ou un truc comme ça, tranquille là. Ah ouais, mais comment je vais faire pour... Faut pas que je lead avec Camerupt, hein, pour le méga Camerupt pour... avec Shanna. Contre Guzma, sinon je vais me faire défoncer. Alors, je suis l'ours. Bah là, je veux bien. Il a pas son talent en plus. Alors, combat normal. Là, voilà. On est sur un combat d'homme. D'homme, hein. Shanna, c'est une femme, tu sais. On va faire... bah, psycho direct, en vrai. On est plus rapide en plus. Bon, Escarmouche c'est pas forcément très efficace. Il fait casse-brique, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis, mais ça fait bobo. Putain. Après, ça reste un chelours. Hein. Ça reste un gros chelours des familles. Très bien. Je stresse un petit peu, les gars. Je vais vous avouer. En fait, ce qui est très stressant avec Shanna, c'est son x4. Qui est quand même très perturbant. Du coup, j'ai peur de le laisser, on va dire, full, pas full vie, quoi. Ce sera un épisode un peu plus long que d'habitude, mais d'un côté, voilà, c'est pour me rattraper d'hier, et puis puis en même temps, c'est important et intéressant de garder, on va dire, une entité complète de la Team Skull, et pas faire genre juste un épisode jusqu'à Guzma, et pas faire Guzma, quoi. Zarbi, ok, c'est le Zarbi quoi, ça, c'est le Zarbi, je sais jamais les lettres, j'arrive pas à les reconnaître, c'est quoi, ça, c'est un 8 pour moi, donc tu vois, pour moi, je ne sais pas ce que les lettres, c'est. Enfin, celle-ci est pas évidente, je sais pas. Peut-être pour eux c'est évident, mais. W, je sais pas, non, je sais rien. Je sais pas, ou Z. Le truc, c'est qu'il y a chaque fois un rang, donc. Bref. Bah, Escarmouche. Du coup, Escarmouche, là, c'est intéressant. Parce que ça one-shot, tout simplement. Merci Zarbi pour ta participation. On va faire le max avec, je pense, ce Pokémon. Hein. Ah oui, en plus, contre les Dark, il va être trop intéressant. Chaque fois je vais switch et re-switch, switch et re-switch. Hein. Je suis obligé. Ça va être trop fort. Hein. Faut que je le garde vivant. Dans tous les cas. Alors c'était direct toxique. Croquin. Et Chocolat Skitty. Moi je dis non. Ok. Donc là, le problème c'est que dans tous les cas, il pleut, donc on va changer et on va mettre Darkling. Je suis exactement à peu près à allez, 58 minutes de vidéo. Et vous me direz à ce moment-là où je vous dis ça, à combien vous êtes réellement. Je pense que vous serez à 30 et quelques. Je sais pas. Il y en a un qui puisse être un peu plus lent cet épisode. Alors là, normalement, je pense que je peux l'avoir avec Dark Lariat. Enfin, lui faire bobo en tout cas. L'avoir, je pense pas. Lui faire trois quarts de sa vie. J'adore l'attaque avec lui. Franchement, c'est trop stylé. Ah, il a endurance. D'accord. Distorsion. En vrai, c'est problématique s'il a des rapides derrière. Par contre, pour éclair gelé, c'est en deux tours, ça va sur moi. Ouais, c'est bon. C'est bon. Tu veux bien sur moi? Viens, Aneko. Viens, mon petit chat.
Allez hop. Niveau 50 pour Zelda, c'est super. Feu ensorcelé. Ça attaque de Gouplin, ça. Non. Enfin, Gouplin peut la prendre en tout cas. Ou peut-être de... aussi magie rêve. Attaque avec les flammes brûlantes soufflées de la bouche du lanceur diminue l'attaque spéciale de l'ennemi. Alors, c'est de l'attaque spé le problème. Enfin, le problème. C'est mieux que Météor en tous les cas. Donc, c'est moins de puissance, 75. On prend, c'est une attaque feu. Hein. Ça peut être utile. Comme ça, j'ai une attaque plante et feu. Et du coup, il n'y a aucun Pokémon qui me bloque. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, attends, il y a mon chat qui veut se placer. Vas-y, place-toi, mon petit chat. Place-toi. Vas-y. Hop là. Alors, Dark Lariat. Ah, mais je suis plus lent, merde. Ah, il fait mal, il fait mal. C'est bon. Il joue one-shot par contre. Pas déconner. Ah non, je one-shot pas. Bon, alors, il me tue pas. On a vu qu'il me tuait pas. Oh, le bâtard. Le bâtard. Alors pourquoi je mets lui? Parce que je vais faire changer clair, ensuite je vais mettre un autre Pokémon quoi. S'il me permet, sans le boost s'il te plaît. Allez hop. C'est bon, on tue. Nickel. Putain, on se rapproche de Wuzma, ça me fait un peu stresser les gars. Je sais que j'ai déjà galéré avec lui en plus. Donc là je sais pas trop quoi à m'attendre. Il y aura pas Scarabrut, tu auras le méga Scarabrut à la place. James, vas-y. James, il a de quoi faire des trous dans une team. Zeblitz. Oh. Ok, toujours à cette attaque de tout bruit. Je sais pas ce que ça fait du coup. Putain, je fais rien. Enfin, pas grand chose, je trouve. Façade. Heureusement que je l'ai pas empoisonné. Il m'aurait fait combien? x2 ça? Ouais, ça va. Easy, easy. Easy, mon gars. Et ouais, Ineko. On est en train de faire le manoir. Et par où? Vous l'avez déjà vu, hein. C'est la fameuse tigrée. Parfait. Voilà, c'est parti, les gars. Alors, j'ai mis en lead parce que pour moi, c'était, je crois, Kuzma. C'était Samurai. Et vu que s'il le remet en lead, du coup, bah j'ai mis... J'espère qu'il va le remettre en ligne. Elle peut avoir changé l'ordre des Poké, ça c'est une possibilité que j'ai pas. Que j'ai pas encore pensé. Mais du coup si elle met vraiment dans l'ordre comme je le pense, ça serait ça en vrai. Du coup j'ai mis Faramp avec la Volta Zélite, du coup il y a moyen qu'on puisse le one shot. Par contre on risque aussi de ramasser le premier coup. Du coup je sais pas si on résiste le premier coup en fait, c'est ça que je me pose comme question. Mais je pense que oui, on a beaucoup de PV. Il y a moyen qu'on résiste le premier coup, mais juste le premier coup. Ok, ça m'aurait. Bon les gars, si ça passe l'attaque Z, on nique. Par contre, si lui passe son truc... Ouais mais 53 les gars, 53... Bon on avait vu qu'il y avait beaucoup d'attaque SP. Donc il y a moyen qu'il les ait maintenus. On est plus rapide. Là on tue. Je peux pas croire qu'il résiste. On avait fait à peu près mid-life avec l'attaque feu. Là c'est efficace, donc deux fois plus fort, c'est stab. C'est bon, c'est que change d'éclair, hein. C'est pas fatal foudre, mais quand même. Quand même, quand même, quand même. Qu'est-ce qui se passe là? Elle a eu peur le chat. Yes. On l'a one shot. Alors on se l'est fait, hein. Ça on se l'est fait, on se l'est farci. Bec canon. Waouh, ça c'est fort aussi. C'est très très fort parce que ça peut burn en fait. Pour moi c'est presque plus intéressant que l'âme pongène parce que ça peut burn. Non c'est ça hein. Ouais c'est dans le cas d'une attaque. Ouais mais non en fait. Dans le sens où si j'ai attaque sol c'est quand même stylé. Attends, attends, attends. Bomberk. Trop charge. C'est du physique, ça va. Ça va, ça va, ça va. Il augmente sa vitesse. Alors, sérénité, fais effet maintenant. Fais effet, s'il te plaît. Il a que ça, ok. Ça va, ça va.
Faut que Serenity fasse effet. Normalement, c'est... j'ai une chance sur deux de faire de l'empoisonner, normalement. Normalement. Mais quoi? Ah, ils n'y mettent pas le nombre de chances. Copy type. Oh, ça me va. Ça sera plus stable comme ça, son truc. À moins qu'il y ait une attaque électrique. Allez, empoise. Sérieux? Ah, c'est pas lui qui a sérénité ou c'est oui? Oui, c'est lui qui a la sérénité pourtant. Ah, mais du coup, mince! J'aurais dû faire. Lame prochaine. Et là, en Paris, ça empoisonne. C'est bon. Mais là, du coup, est-ce qu'il va soigner? En anticipant le soin, on fait lame pongène. Ah. C'est bon. Il est trop fort, Pharaon. Puis là, carry le. Putain, Pyrax. Ça m'a fait un peu peur au début. C'est ça que c'est pas un Pyrax Strat, heureusement, parce que sinon. Très très bien. Mégavolt. Alors, Mégavolt. Je pense que s'il fait une attaque électrique, c'est fort probable. Enfin, qu'il en ait une. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe, mon gars? Qu'est-ce qui se passe? Des soucis? Des soucis? Non. Et là, il va prendre. Oh. Non, pas tant que ça. Tant que comète. Bon, s'il avait une attaque, il l'aurait fait tout de suite. Là, il l'a pas. Ok. Je pense, hein, sinon, je vois pas le sens de son truc. Donc il refait point comète, y a pas de soucis, on va le niquer. En finale, Guzma a été tranquillement effectué. Et pourtant, on n'avait pas les niveaux. Hein. On était un petit peu... en dessous, disons. C'est bon, il fait que ça. Bah, il y a peut-être que des attaques électriques. Hein. Et vu que maintenant, on a Pharaon qui résiste à l'électricité et on a Mega Camerup qui les prend, on est invincible. Désolé, genre le gars l'abuse. Il suffit qu'un Pokémon ait une attaque haut et c'est bon. Hein. Mais après, en vrai, j'ai quand même 103 défense P, faut pas déconner. Enfin, c'est pour one shot, faut quand même qu'il soit un hydrocanon, enfin un truc quand même. Tu vois. Un peu sacré mon vénère. Merci beaucoup pour ta participation. Du coup, j'hésite à mettre l'attaque Z de type. Insecte à mon Camerupt pour qu'il fasse escarmouche du coup. Enfin, escarmouche tour 1 prioritaire et ensuite il peut faire escarmouche Z sans devoir switcher, etc. Évidemment, j'aurais pas la priorité, mais vous m'avez compris. Il y a une attaque Z. Je pense que ça peut être pas mal. Et on va s'arrêter ici aussi, hein, les gars, sur ce combat. Ouh, le Pyrax, il m'a fait peur. Le Pyrax m'a fait peur. Bref, moi je vous laisse là-dessus. On se retrouve peut-être pas ici dans le manoir. On se retrouvera. Bah, peut-être pour la suite. On verra comment je vais faire ça. Ciao à tous, c'était Pyrax. Mettez un gros like sur cet épisode. Je pense qu'il sera très très condensé. Je vais mettre combat après combat et tout ça, enfin vous l'avez vu de toute façon. Et du coup, voilà. Ciao à tous, c'était Perux. Et dites-moi si vous kiffez mes Camerupt dans les commentaires. Pour moi, franchement, pour l'instant, il me déçoit pas. Même il a pris des attaques haut comme ça sans problème, pour moi, il me déçoit pas. Voilà, bref. Ciao à tous, c'était Perux.